Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner de l'argent tout simplement en partageant un lien d'affiliation. Donc je vais vous montrer comment créer un lien d'affiliation au niveau des services de Horedo pour pouvoir vendre les services de Horedo, pour pouvoir proposer les services de Horedo à vos amis, à vos proches et à tout ça, à tout cela pour gagner des revenus. Donc vous allez gagner des revenus lorsque vous allez proposer les services de Horedo à vos proches, à vos amis et à votre audience si vous avez une chaîne YouTube, une page Facebook, votre statut WhatsApp et tout ça. Bref, il s'agit d'un moyen pour pouvoir faire des revenus sur Internet. C'est assez simple. Allez, suivez-moi. La première des choses à faire, c'est que vous allez dans votre navigateur et vous allez saisir www.horedo.com. Donc, horedo comme ça, là, .com. Donc, une fois sur le site de Horedo, vous allez voir les différents services que Horedo propose. Donc, Horedo propose une panoplie de services comme commerce, fournisseur, marketing et affiliation, paiement, facture, immobilier, coach de vie, emploi, CVT, kiosque, entrepreneur, opportunité d'entreprise, hébergement et tout ça. Donc, ce sont des services que Horedo propose. Donc, si vous voulez vendre ces services-là et faire de l'affiliation pour pouvoir gagner de l'argent, il vous suffit alors de cliquer sur le service affiliation, marketing affiliation. Vous voyez là, marketing affiliation. Donc vous cliquez dessus. Vous cliquez sur accéder, voilà. Et là, vous tombez sur la plateforme d'affiliation de Horedo. Donc là, on dit participer au programme d'affiliation le plus proche de vous. Donc vous obtenez jusqu'à 15 000 francs de commission par client apporté juste en partageant un lien. Donc il s'agit alors de partager un lien du service en réalité sur vos réseaux sociaux, sur votre statut, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, ainsi de suite. Et lorsque les gens vont cliquer sur le lien et vont payer un service sur Horedo, alors là, vous gagnez une commission. Donc, c'est bien expliqué ici. De quoi s'agit-il? Horedo est une plateforme qui propose une multitude de services en ligne aux internautes. Le programme d'affiliation vous permet de gagner de l'argent en publiant sur votre page Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, sur votre site, sur votre blog ou sur tout autre support, un lien permettant aux nouveaux internautes, à un nouveau internaute de consommer un service de Horedo. Vous gagnez de l'argent à chaque fois que ce internaute paie ce service sur Horedo et ce jusqu'à un certain moment. Voilà un peu. Donc là, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir votre lien d'affiliation, il faudra cliquer juste sur le bouton commencer. Donc le gros bouton qui est là, commencer maintenant. Et alors là, vous tombez sur cette page-là. Donc sur cette page, vous allez juste cliquer sur Gmail. Donc pour vous inscrire. Donc si vous n'êtes pas inscrit en temps, vous cliquez juste sur Gmail pour vous inscrire. Ou soit, si vous n'avez pas un compte Gmail, vous allez cliquer ici, vous n'avez pas un compte Horedo. Créer un compte. Moi, je vous conseille plutôt de cliquer sur par Gmail pour créer directement votre compte sur Horedo à partir de votre compte Gmail. C'est très simple à faire et c'est la méthode la plus facile. Donc, je clique sur par Gmail. Là, ça tourne et ça revient. À ce niveau, vous patientez un instant que la connexion puisse se faire. Et voilà, vous voyez là, la connexion s'est réalisée. Et là, ça m'affiche cette page. Donc, vous voyez, donc là, ça m'affiche cette page. Et je suis dans la plateforme d'affiliation. Si entre-temps, vous avez fait la connexion, d'accord? Si entre-temps, vous avez fait la connexion correctement et que cette page s'affiche à vous, je reviens. Et que cette page s'affiche à voir nouveau et que ici ça met mon compte. Vous voyez, ça met mon compte ici et que cette page s'affiche à voir nouveau. Il vous suffira juste de cliquer à nouveau sur le bouton marketing et affiliation accéder. Vous voyez, donc c'est l'un ou l'autre. Soit
vous, je répète, soit vous, vous avez fait la connexion, vous vous êtes inscrit et cette page s'affiche à nouveau à vous. Il suffira alors de cliquer encore sur accéder à marketing à affiliation de ce côté-là. Ou soit, si ça, ça va directement, ça ira directement au niveau de votre panneau d'affiliation. Donc ici, c'est le panneau d'affiliation. Vous voyez ici, moi, je n'ai pas de gain, j'ai 0 francs CFA. Donc, c'est comme ça. Et voici alors la liste des différents services de Orodo où vous pouvez gérer l'affiliation. Donc, je vais prendre par exemple le service qui m'intéresse le plus, c'est le service commerce. Donc, je vais prendre le service commerce. Par exemple, je vais générer un lien d'affiliation sur le service commerce. Ici, c'est dit que avec le service commerce, en quelques clics et sans connaissance en langage informatique, l'internaute crée sa page, sa propre boutique en ligne. Il peut y joindre très facilement des systèmes de paiement tels que Mobile Money, PayPal, Visa. Il peut y joindre ses propres produits ou faire soit du dropshipping ou du drop local. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien-là. Donc, ça veut dire que Commerce a un service en ligne qui permet de créer des boutiques en ligne. Voilà, des boutiques en ligne. Et ça, c'est la description. Donc, vous pouvez cliquer ici sur ce lien. Voilà. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour aller découvrir vous-même d'abord le service Commerce. Vous voyez, donc là, j'ai cliqué et le service Commerce devrait s'afficher pour moi. Voilà, le service commerce s'affiche. Et là, je découvre le service commerce. Donc, si vous-même, vous ne connaissez pas bien le service, alors vous ne pourriez pas mieux bien faire la promotion de ce service. Donc, vous découvrez le service commerce. OK, d'accord. Donc, moi, je reviens dans mon panneau d'affiliation. Et au niveau du service commerce, ils disent 25%. Donc, je vais gagner 25% en réalité à chaque fois que le client s'abonne à ce service-là. Ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur ce bouton-là. Obtenir votre lien. Donc, je clique là. Et automatiquement, vous voyez là, il me génère un lien en réalité. Et ça, c'est mon lien d'affiliation. Vous voyez, ça, c'est mon lien d'affiliation en réalité, tout simplement. Donc, je peux cliquer ici, copier ce lien et alors coller le lien là sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook et tout ça. Je peux envoyer ce lien à quelqu'un et tout ça, vous voyez. Donc ça, c'est un lien que je viens de créer. Donc ça, c'est mon lien d'affiliation qui est ici que je peux mettre sur mes réseaux sociaux. Donc je vais cliquer là et je vais, ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur mon Facebook. J'aimerais partager le lien dessus et commencer par gagner quand même de l'argent. Donc je vais aller sur Facebook. Voilà, donc là, actuellement, je suis sur mon Facebook, là. Je vais faire une publication. Donc, pour faire une publication ici, je vais cliquer sur quoi de neuf. Et ici, je vais saisir une publication tout simplement. Donc là, je vais mettre maintenant mon lien d'affiliation. Voilà, donc je vais mettre mon lien d'affiliation ici. Donc, je vais... J'avais copié le lien d'affiliation. Je pense qu'il est encore là. Voilà. Donc là, je viens de mettre ici mon lien d'affiliation. Voilà. Donc là, je viens de mettre mon lien d'affiliation tout simplement. Et je peux joindre une image. Donc moi, pour mieux faire les choses, je vais aller chercher une image sur Internet. Donc, il y a plein de banques d'images. Pezel. Pezel.com, voilà. Ici aussi, on trouve des images. Donc, je vais taper ici e-commerce African. Bon, je mets African devant pour avoir des images de noir. Donc, sinon, vous aurez des images de blanc. Donc là, j'ai des images quand même que je pourrais utiliser pour inciter les personnes. Voilà, donc ici par exemple, c'est super intéressant. Cette image, j'apprécie bien. Voilà, donc je vais télécharger.
cette image-là et je vais l'utiliser dans ma publication. Voilà, donc je viens ici sur Facebook, voilà, sur ma publication Facebook et je vais utiliser cette image donc là. Voilà, donc ajouter une photo. Donc voilà, cette image, je vais l'utiliser. Voilà, donc là, je peux maintenant cliquer sur publier. Et là maintenant, je viens de publier cette information sur ma page Facebook. Donc là, je suis en train de publier, voilà. Donc à l'instant, voilà, je viens de publier ça sur ma page Facebook. Donc, voilà, donc c'est assez simple avec mon lien d'affiliation. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que ce lien d'affiliation là fonctionne. Donc, comment est-ce que ce lien d'affiliation fonctionne? J'imagine que vous avez des amis et que les amis maintenant, ils voient votre publication sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook, sur votre profil WhatsApp et tout ça. Il faut comprendre que vos amis et vos proches et les internautes vont cliquez sur le lien si votre description en réalité est vraiment incitante en réalité. Donc la description est vraiment bien et tout ça. Vos amis vont cliquer sur le lien lorsque votre description incite vraiment à cliquer sur le lien. Donc il va falloir que la description puisse vraiment inciter les personnes à cliquer sur votre lien d'affiliation. Vous voyez? Sinon, les personnes ne vont pas faire. Donc je suppose que vos amis vont voir la publication sur votre page Facebook et ils vont cliquez là-dessus. Donc, je précise que il faut vraiment bien faire la description et mettre une très bonne image pour inciter la personne à cliquer. Vous voyez, si tout ça n'est pas bien fait, la personne va voir la publication tout simplement. Donc, c'est aussi un travail à faire, bien décrire le produit, inciter la personne à cliquer sur le lien d'affiliation et tout ça. Donc là, si tout est bien fait avec de belles images, la personne va cliquer sur votre lien d'affiliation comme ça. Et alors, ça va s'ouvrir. Vous voyez là, ça s'ouvre. Commerce est, c'est affiché. Donc, la page de commerce est affichée. Et alors, la personne pourra cliquer sur commencer votre boutique en ligne. Donc, ça, c'est l'internaute qui est en train de faire ça. Et là, il revient. L'internaute revient sur cette page et l'internaute d'ouvert va créer un compte. Donc, là, l'internaute vient de créer un compte comme ça et l'internaute va alors créer sa boutique. Donc pour créer, l'internaute va alors créer sa boutique en réalité si le système l'intéresse. Donc il faudra que l'internaute fasse la procédure jusqu'au bout et paye en réalité au niveau de commerce pour que vous puissiez avoir un revenu. Donc là, je suis en train de créer une boutique et vous allez voir comment ça se fait. Donc là, je suppose que je suis l'internaute. Hein. Donc, voilà, donc ici, il y a passé à la version pro. Donc, quand l'internaute va créer sa boutique, l'internaute va cliquer sur passer à la version pro et alors va payer en réalité la version pro au niveau de sa boutique. Donc, la personne, je suppose qu'il sélectionne 12 mois. Voilà, 12 mois. Donc, il y a 3 mois, 4 mois, ainsi de suite. Donc, on suppose que l'internaute sélectionne 12 mois. Donc, clique sur d'accord. Arrive ici, il met Mobile Money Bénin, il met son numéro de téléphone. Donc, il peut maintenant payer par FedaPay, donc cliquez pour payer. Voilà, donc l'internaute vient de faire le paiement et tout se passe bien.
Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer à votre niveau quand l'internaute vient de faire un paiement? Qu'est-ce qui va se passer à vous, votre niveau, qui avez donné votre lien d'affiliation à l'internaute? Puisque l'internaute a cliqué sur vous, votre lien d'affiliation, qu'est-ce qui va se passer vous à votre niveau? C'est ça que nous allons voir. Voilà, donc à l'intérieur de mon compte, vous allez voir maintenant que là, j'ai gagné 15 000 francs. Donc, j'ai gagné 15 000 francs automatiquement dans mon compte d'affiliation parce que mon lien d'affiliation a été utilisé par quelqu'un, par l'internaute en réalité, pour créer une boutique et l'internaute a payé pour la boutique qu'il a créée. Donc, voilà, donc moi, j'ai gagné une commission de 15 000 francs. Donc, 15 000 francs équivaut à 25% de ce qu'il a payé. Donc, lui, il a payé 60 000 et alors, moi, j'ai gagné automatiquement 15 000 francs. Maintenant, dans mon lien d'affiliation, comment demander un... Comment me vire mon argent, comment me paye mon argent? Il va juste suffire de cliquer ici, demander un virement. Et ici, je vais rentrer les informations, c'est-à-dire mes informations de paiement. Donc, pour demander un virement, renseignez vos informations MTN, Mobile Money, Move Money ou compte bancaire. Voilà. Donc, là, je vais renseigner mes informations. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, mon nom, voilà, mon prénom, voilà. Donc, et puis, ici, je vais mettre sélectionner. Donc, je sélectionne Mobile Money. Je vais mettre ici mon numéro de compte Mobile Money. Donc, je vais mettre 229, voilà. Et je vais mettre 97 01 41 28. Donc, voilà. Donc, ici, je mets mon numéro Mobile Money et je clique sur envoyer la demande de virement. Voilà. Et ça me dit maintenant que votre demande de virement a été bien prise en compte. Nous faisons le virement en début du mois. Voilà. Donc là, je vais devoir patienter jusqu'au début du mois pour obtenir mon virement. Donc, les virements se font tous les débuts du mois en réalité. Donc, je patiente jusqu'au début du mois pour obtenir mon virement. Donc là, je peux cliquer sur continuer tout simplement. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant comment cela se passe. Donc ici, quand je clique, là, je ne peux plus demander un virement parce que j'ai déjà un virement en cours. Vous voyez? Donc, il y a déjà un virement en cours. Donc, tant que ce virement n'est pas réglé, je ne peux plus demander un autre virement. J'espère que vous avez compris le service d'affiliation pour gagner de l'argent au niveau des services d'Oredo. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez pour vous faire un revenu. Merci.